Bienvenue sur le site de Montpellier. Donc on est là sur un emplacement idéal puisqu'il est situé en plein centre-ville à 800 mètres du centre historique de Montpellier. Et on bénéficie de quatre corps de bâtiments. Derrière moi, vous avez des bâtiments administratifs avec en son centre un amphithéâtre qui va être aménagé à l'automne prochain et d'une contenance d'environ 110 places. Sur ma gauche, vous avez un bâtiment qui accueille déjà à la fois des salles de cours totalement équipées et des salles de travaux pratiques numériques et où les étudiants travaillent sur ces travaux pratiques numériques mais effectuent également des projets de modélisation et de simulation. Le bâtiment qui est en vis-à-vis, lui, va être aménagé à partir de l'année prochaine et il va accueillir des élèves en fin de cursus, donc sur les formations de 4e et de 5e année. Et il contient une salle qui va être aménagée en médiathèque et donc qui va permettre aux étudiants d'avoir l'ensemble des livres et des accès aux différents médias nécessaires à leurs études. Enfin, sur le bâtiment du fond, c'est un bâtiment qui, lui, va servir aux travaux pratiques expérimentaux et aux activités de recherche. Donc, il est déjà aménagé et il contient des espaces plutôt larges qui permettent justement de décliner l'ensemble de ces travaux pratiques expérimentaux et des activités de recherche. Pourquoi un troisième site à l'EPF ? L'ouverture d'un troisième site à l'EPF s'imposait. On a d'une part une volonté d'avoir plus de place. On a un site sur Sceaux qui est relativement enclavé, avec finalement une difficulté d'avoir davantage de mètres carrés. Et pouvoir avoir un site en région permet de mettre en place les formations et de développer des activités de recherche. Concernant les activités de recherche, ce secteur est en formation sur Montpellier. Nous sommes en train de développer les activités de recherche et le laboratoire de recherche. En attendant, je travaille au sein de l'IES. Je suis accueillie à l'IES, l'Institut d'électronique du Sud, à l'Université de Montpellier 2, pour travailler sur le sujet de la dissipation des effets thermiques sur les cellules solaires photovoltaïques à concentration. C'est un sujet qui est proche de ma thématique de recherche initiale. J'ai travaillé au cours de ma thèse sur le stockage de l'énergie pour les procédés solaires à concentration. Il y a donc un lien assez rapide entre mon sujet de thèse et le sujet sur lequel je travaille à l'IES, ce qui nous permet de développer des partenariats assez forts avec l'Université de Montpellier 2. Concernant les autres activités, il y a une continuité par rapport aux travaux que j'ai pu réaliser au CSTB lors de mon ancien poste. Et nous continuons notre partenariat avec le CSTB et le sujet de la gestion de l'énergie, qui est un sujet lié à l'option eau, énergie, environnement. Ce sujet est toujours un sujet au cœur de nos actualités. L'EPF est une école de la diversité. Elle est très, très attentive à diversifier à la fois son recrutement, le genre, le handicap. Et dans ce cadre-là, on gardait un recrutement qui était très parisien. Et le fait d'ouvrir un site à Montpellier va permettre d'être plus national, de s'ouvrir sur les régions et d'avoir un recrutement d'étudiants, en particulier du sud de la France. Sur Montpellier ont été réalisés pour les 4e années de l'EPF. Les cours ont commencé par la dominante GI, génie industriel. Cette dominante a été copiée-collée de la dominante existante sur Sceaux. Les cours ont été dupliqués. Et à la suite de cette session dominante, les étudiants se sont orientés vers une option eau, énergie, environnement qui a été développée uniquement sur Montpellier. L'objectif de cette option eau, énergie, environnement et de traiter de la gestion de l'eau et la gestion de l'énergie dans un environnement urbain
pour faire ces études-là. Donc différents intervenants sont dans le sein de notre option. Différents intervenants sont venus donner des cours. On a des intervenants des urbanistes, des gestionnaires d'énergie, des aspects environnementaux aussi sont étudiés par nos étudiants de l'EPF. Ici, nous sommes dans la salle de travaux pratiques de l'EPF. C'est une salle qui a été réalisée très récemment et nous commençons à être occupés à avoir plusieurs manips, notamment ici la manip sur les échanges thermiques où on voit un étudiant qui est en train de travailler sur les différents échangeurs et justement de comprendre les différents modes d'échange thermique. Alors, Monsieur Stéphane, pourquoi Montpellier ? Oh, Montpellier n'est plus une ville à présenter. On sait que c'est une ville dynamique. C'est une ville qui est avec beaucoup d'étudiants, 70 000 étudiants sur l'ensemble de l'agglomération, qui compte environ 250 000 personnes. Donc, vous voyez un taux d'étudiants très important. Une forte tradition universitaire, de grandes activités de recherche. Donc finalement une ville qui est très accueillante et où il fait bon apprendre, bon travailler. De façon assez paradoxale, on a une région Languedoc-Roussillon qui forme très peu d'ingénieurs, donc un vrai déficit de formation d'ingénieurs sur la ville et la région. Et de ce fait-là, l'ensemble des collectivités territoriales, la ville de Montpellier, l'agglomération et la région Languedoc-Roussillon ont soutenu le projet d'implantation de l'EPF sur la ville et ont contribué financièrement à cette arrivée de l'EPF. Et c'est finalement grâce à ces collectivités qu'on a pu développer ce projet. Monsieur Stéphane, où en est l'EPF aujourd'hui ? Alors l'EPF a accueilli 9 étudiants en janvier dernier. Ces étudiants sont des étudiants de 4e année qui ont suivi la dominante génie industriel et qui suivent actuellement l'option eau énergie environnement. À la rentrée prochaine, en septembre, on accueille des étudiants de 3e, 4e, 5e année. Et peu à peu, on a une montée en puissance qui nous amène d'ici 2 à 3 ans à accueillir environ 320-350 étudiants sur le site. Alors on a, dans cet environnement très universitaire de Montpellier, on a commencé des collaborations, des partenariats avec les Mines d'Alès, l'école des Mines d'Alès, l'école de chimie qui est installée sur Montpellier et l'université Montpellier 2 qui est l'université des sciences de la ville. Donc on a un environnement qui est très prometteur et qui va nous permettre de très facilement de mettre en place l'ensemble des formations qui sont prévues, en particulier dans le domaine de l'énergie.